ans que vous me supportez, hein, je vous plains. Et ben, il y a 16 ans, Peter était venu me voir, il faisait partie du conseil municipal de Jean-Pierre, puis il m'avait dit, ce jardin, ce serait bien qu'on en fasse un jardin d'enfants à l'époque. Moi, j'étais super emballé par cette idée. Et puis le jardin, c'était un peu trop dangereux, 8 mètres de chute possible. Alors on s'était dit, puis il était un peu petit. Donc heureusement, le jardin a existé grâce à la ténacité du conseil. Et tout le monde en profite maintenant, surtout les petits, mais aussi les parents. Ce jardin, vous le connaissez, jardin d'enfants, au-dessus de chez Paul et Jean-Pierre Vigier. Et puis, ce jardin, enfin, a été ouvert. C'était mon désir le plus profond. Père Lec m'a dit, notre évêque qui est décédé maintenant, Henri Brincard, m'avait dit, on vous a copié parce que le jardin de l'évêché est devenu pour une partie publique. Alors, il était très content aussi de cette initiative. Alors, vous savez qu'on est le 4 octobre, c'est-à-dire le lendemain du 3 octobre. C'est la Saint-François d'Assise. Saint-François d'Assise, donc patron de tous ceux qui aiment la nature. François, donc qui est à l'âge de notre grande croix merveilleuse dans l'Église. François d'Assise, frère universel de tout ce qui vit, aussi bien des animaux que de la nature, des poissons, que des girafes, enfin, tous les animaux. Et il pensait très fermement que la résurrection était aussi pour toute la nature, la transfiguration de la nature. Alors, il a souhaité que cette journée soit une journée de prière pour la création et pour les hommes, les femmes, qui sont appelés à gérer, diriger, faire grandir cette création. Alors en premier, on va écouter notre ami de la nature, connu de tous, et pas assez encore, à mon avis, connu aussi des enfants, qui nous fait aimer la nature, la respecter, et trouver notre grandeur à l'intérieur d'elle-même. C'est Rémi. La nature est l'essence même de l'homme. L'homme est le fruit de la création divine, au même titre que la nature dont il est extrait. Mais il a cherché depuis longtemps à la gérer, à la domestiquer, parfois à la combattre, ou la dominer, à s'en éloigner en somme. Il a bâti des villes où la nature est écartée, réduite au mieux à un parc clos, aux pelouses parfaitement propres, tondues et surveillées. Mais l'homme, nous tous en somme, revenons toujours vers la nature avec une grande ardeur, tant elle nous procure du plaisir, de l'émoi, de l'apaisement, du recueillement. L'artiste, le philosophe, le scientifique, chacune des facettes qui sont en nous, nous rattache à l'essence même de la vie, la beauté du chêne multicentenaire prenant au cœur de la forêt l'immensité des paysages pluridiluviens, le foisonnement fascinant d'être vivant, tout aussi étonnant et passionnant à observer, et qui peuple les lieux qui nous entourent. La nature est au cœur de nos émotions les plus belles, au cœur de nos besoins les plus vitaux, au cœur de notre spiritualité et de notre avenir. Alors, Larbi va nous lire, vous le connaissez tous ou presque, il intervient aussi à la Maison des Oiseaux. Il écrit des nouvelles, il publie des nouvelles. Celle-là, elle n'est pas publiée parce qu'elle n'est rien que pour nous. De la création divine émerge la vie. Et de la vie, l'homme naquit. Quand lui-même fut touché par sa propre créativité. Et de dessin en tableau, on a suivi et on suit encore son chemin. La nativité n'est-elle pas le symbole artistique de la naissance de Jésus-Christ? L'harmonie règne depuis toujours dans la création du bonheur. Et de l'amour de deux êtres, la création fit jaillir l'enfant. Ce joli mot qu'est la création est peint de mille parfums colorés. Il est habillé de liberté, d'évolution et souvent de clarté. Partout où l'on regarde, la créativité est en mouvance. Elle est un subtil mélange de force et d'émotion. Allez, viens, prends ma main et suis-moi. Allons admirer la création de la nature et de ses tableaux. Regarde comme elle est belle. Ses couleurs multiples semblent si douces, si poétiques, qu'elle nous fait oublier un instant que partout l'homme la griffe.
admire sa sauvagerie grondante et violente. Elle submerge les côtes et les rives, elle déchaîne sa rage et désole des peuples. Faisons silence, elle est si grande. Elle est une géante aux humeurs changeantes. À côté, nos édifices paraissent de sable et nos vies si petites. Regarde par là. Vois-tu ce que la nature nous offre? Regarde ce ciel rougeoyant et flambant. Il signale la révérence d'un soleil fatigué. Et la créativité de cet enfant penché sur son imaginaire. Il nous démontre que rien n'est statique, tout est changeant. Le lien social est aussi un exemple de créativité humaine. Il est l'espoir d'un avenir épanouissant du vivre ensemble, ce qui est pour le futur une richesse et une fierté pour les peuples. Et de la création au premier jour, la culture et le savoir nous montrent et nous montrera toujours le chemin de la paix. Merci. Alors on va bénir cet arbre ensemble, on va le mettre sur le côté gauche de la gloriette, là où, bien sûr, le trou a été préparé. Rendons grâce à Dieu pour la terre et le ciel, pour le soleil et la pluie, pour la succession des saisons. Rendons grâce à Dieu pour l'espérance qui nous habite quand nous semons et plantons en attendant de récolter. Rendons grâce au Seigneur pour la parabole qui nous offre chaque printemps dans le renouveau de la nature. Demandons à Dieu de bénir notre travail dans les champs, les vignes, les vergers, les jardins, pour que leurs produits renouvellent nos forces à son service. Demandons à Dieu de bénir les efforts de tous ceux qui cherchent à répartir les biens de la terre entre tous les hommes. Dieu, qui dans ta providence, dès le commencement du monde, a prescrit à la terre de produire l'herbe et des fruits de toutes sortes, toi qui donnes aux semeurs la semence, le pain pour la nourriture, nous t'en prions. Permets que cette terre enrichie par ta largesse, cultivée par le travail des hommes, produise du fruit en abondance, pour que ton peuple se réjouisse des biens que tu lui accordes, et qu'il te rende grâce ici et dans l'éternité, par Jésus, le Christ, notre Seigneur.